là. On dirait des morts vivants. Arrêtez, c'est pas drôle. C'est des vieilles. C'est même marqué dessous. Les vieilles ou le temps de Francisco Goya vers 1810. En effet, elles sont vieilles. Et l'ange derrière, il vient faire leur ménage avec son balai. C'est Chronos, le dieu du temps, qui vient les chercher. Ça symbolise la mort. Pour qu'elle débarrasse le plancher. Et l'autre qui s'en fiche. Elle se regarde dans un miroir, elle se croit belle peut-être. En tout cas, elle a mis tous ses plus beaux habits et tous ses bijoux. On dirait une reine. Et c'est quoi, qu'étal? De l'espagnol, ça veut dire comment ça va. C'est sûrement pour se moquer d'elle car elle a pas l'air de bien aller. C'est ce qu'a voulu Goya. Se moquer des grandes dames qui ne pensent qu'à se pomponner. C'est réussi, regarde cette couche de peinture qu'elle s'est collée sur la figure. C'est surtout le peintre qui en a rajouté une couche. Il peignait à la spatule et même avec les doigts pour avoir tous ses effets. Avec les doigts? Oh, y'a pas de quoi faire un plat. On apprend ça à la maternelle. Les vieilles ou le temps, Lille, Palais des Beaux-Arts.